Voilà les amis, je vous récupère. Ah bah on arrive direct à la fosse branchiale. Oui bah là c'est l'équivalent du temple de l'eau. Oui, qu'est-ce qu'il y a, peu son blade là. Ils sont bien trop effrayés à l'idée de croiser un membre de son peuple qui porte une aversion toute particulière envers les. Bah écoute, là mon gars, s'il n'y a pas l'emblème de l'eau là, c'est vraiment que hein, on se fait enfler. Bon maintenant, j'ai envie de vous dire qu'on s'est fait encore plumer je crois, non? Parce que là, il n'y a que dalle. Comment ça marche? Ah, c'est bon. On se met là les gars. Ensuite, on pointe et... Bah ben, voilà. Voilà. Ça commence bien là. Je le sens bien ce let's play. Je le sens bien. Je la sens bien cette vidéo. Je la sens aussi. Alors déjà je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'il s'est arrêté de pleuvoir d'un coup. C'est vraiment très très étrange. Et je la sens bien aussi, je disais, en énigme. Hein. Ce chemin mène à la crique. Abyssal. Écoute, moi je veux bien y aller, mais j'aime aussi savoir où je vais. Comment est l'île? Y a-t-il des monstres? Y a-t-il des habitants? Tu n'as pas idée de la tempête que j'ai traversée. J'ai réussi à m'arrêter sur une île, mais elle n'est pas plus grosse qu'un rocher. J'espère que tu trouveras cette lettre pour venir m'aider, Rob. Donc j'ai déverrouillé une île sans même savoir le nom. Il a dit pas plus grosse qu'un rocher. Donc c'est l'île Rocher en fait. C'est l'île de Ferrero quoi. Blague de merde mais bon. Fallait la faire. Fallait oser. Nous on est là, on casse les codes, on ose. On dit tout haut ce que pensent les gens tout bas. Vous allez pas me dire que quand j'ai dit l'île Rocher, vous avez pas pensé à Ferrero. Non? Je suis tout seul. Arrêtez, arrêtez. Pas possible les gars, c'est pas possible. Oh! Ah là c'est beau là. Là je viens de le fracasse. Il est étrange ce caillou quand même. C'est un étrange caillou. Hein. Je vais voir si je peux pas le casser d'ailleurs. Parce qu'il me stresse. D'accord, ok. Très bien. Donc là je vois... Je vois qu'il y a un petit bouton là-haut. Et je vois que je vais pas pouvoir y accéder, non? Ah bah non, mais moi je vois un autre truc. C'est que j'ai mon sort magique. Exodia le maudit. Voilà. Rentrons dans la crypte. Dans la crique? La crique, pas la crypte. Donc là nous avons normalement un trésor de l'autre côté. Très très bien. Mais encore. Oh, un Zora. Enfin, c'est pas un Zora, mais bon. C'est un garde branchien. Branchien. J'ai vraiment du mal avec ce mot. Je sais pas du tout comment on le prononce. Halte là! Qu'est-ce qu'un Arcadien vient faire chez les branchiens? Hé! Hey, un instant! C'est toi? Et tu es celui qui nous fournit en miel? Et tu m'as l'air plus petit qu'avant. Bah, pour moi, tous les Arcadiens se ressemblent. Quoi qu'il en soit, sans miel, tu ne passeras pas! Ah, t'es sérieux, là? Me dis pas que je vais aller taper une mission miel. Oh non, fais pas le bâtard mon gars. Je peux pas y aller à la nage là. Vas-y là, fais pas ton crevard là. Vas-y. J'en ai rien à foutre de ton miel putain. Oh là là, les missions. Il va falloir que je trouve du miel. C'est du miel ça? Non? J'en veux pas de ton sort, là, dégage. Non, c'est pas pot ce que je veux mettre, c'est ça, là, le pot, là. C'est pas des pots de miel? Non, c'est pas des pots de miel, je crois. Et là, il pleut d'un coup, là. Je vois plus rien. Ah, cette histoire de miel, hein. Je disais que je la sentais bien, cette vidéo, mais fallait une couille, hein. Ça pouvait pas se dérouler aussi proprement, moi je vous le dis. Hein.
Je vais pas dire que je le sentais, mais... Et c'est trop beau, ça c'est sûr. Et évidemment, je peux pas passer. Et bah on va partir taper une mission miel. Voilà. 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 Voilà les allers-retours qui cassent les burnes. À moins que là il y en ait dans le coffre. Un coquillage. Un coquillage rare, je pourrais en tirer 5 pièces. Bah purée. Je vais devenir riche avec vous. Hein. Ah mais là je suis deg là. Je vais devoir taper une mission miel, vous vous rendez pas compte vous. C'est que là j'étais à deux doigts de taper un donjon. Purée. Tiens le rocher. Juste à côté de Ticarel. Et je vais le trouver où le miel là? On va le trouver là quand même. On va quand même le tenter. Hein. C'est un peu loin mais bon. Oh bah finalement. Hein. Ça fait plusieurs vidéos que là je crois vouloir faire un truc là. Enfin crois pouvoir faire un truc. Mais en fait pas du tout. Le jeu me met des stops à chaque fois. Je me fais troller par le jeu. Tu as vu ces feux d'artifice la nuit dernière? Bah oui, c'est grâce à moi. Bonjour. Bonjour ma beauté. Bon bah c'est parti hein, en quête du miel. On aurait dit ça plus tard. Plutôt qu'il raffolait du miel, moi j'aurais pris un petit pot avant de partir à l'aventure. Hein. Heureusement quand même que.. La taille de la map entière là du jeu n'est pas égale à celle de Zelda Wind Waker. Hein. Parce que là, si je devais me taper les allers-retours entre des îles éloignées et tout... Non, c'est trop. Alors, île du vent austral. Whenever I sail past a beautiful island like this, I feel hope. All this glory Gaia has blessed us with still remains. Even after the last man has left this world. Alors, je ne sais pas du tout si c'est ici qu'on chope le miel, hein. Je vais pas vous mentir. C'est juste là. C'est mon petit doigt qui... Ah mais il est chelou ce rocher, regardez. Il est vraiment chelou. C'est pas moi quand même qui a l'esprit tordu là, c'est vraiment... Ça saute aux yeux là. Bon, par contre il est petit. Alors, moi je suppose que ça va dire je ne peux pas passer, hein. Pas besoin d'avoir bac plus 5 pour deviner, là je ne peux pas. Là je... Ah bah d'accord. Ah bah c'est la meilleure celle-là. Allez. Je sais que tu peux tourner. Je sais que tu peux tourner. Mais quel est le rapport? Et why? Pourquoi j'ai fait ça? Il fait vraiment n'importe quoi le gars. Je suis déjà venu ici en plus, je suis bête moi. C'est là que j'ai... Bon, j'ai été partout, moi je veux juste voir comment on ouvre là, là. Attention, la porte alien peut facilement se gripper s'il y a trop de poussière dans les moulins. Ben, s'il y a trop de poussière, moi ce que je propose, c'est de la dépoussiérer. Et ben voilà, j'avais pas vu qu'il y en avait une deuxième. Ah là là. Et mon miel, il est où? Je veux du miel. Cette île respire le bonheur, le printemps, la faune, la flore. Il doit bien y avoir du miel. À vous là! Foutez-moi la paix! Je veux du miel! Je veux de l'amour, du miel, de la bonne humeur!
peux le faire tomber? Non, je ne peux pas. Il est où mon miel? Il est pas dans une grotte, hein. J'ai jamais vu du miel dans une grotte, hein. Ou alors je ne m'appelle pas Miel Pops. En tout cas, il y a un marchand qui était là. Apparemment. Ah, une pierre. Je prends la pierre, attendez. Tac, tac, tic, tac, tout, tac, tic, tac, tac, tic, tuc, tuc, tic, tic, tuc, tac. Voilà. Ah non, système pourri, ça. Allez, je croise les doigts pour avoir du miel. Ça m'a l'air bien foireux, en tout cas. Hein. En tout cas, s'il n'y a pas du miel, ici, il y aura sûrement quelque chose de sympatoche. Alors là, il y a une inscription au mur. Inscription au mur, maison. Ah ben non, mais je voulais pas sortir, là. Tu me fais quoi, là, mon gars? Ça y est, t'as pris la confiance. Ah! Attendez, je viens d'avoir une idée. Soit. Ah bon, d'accord. T'es comme ça, toi. Ah bon, d'accord. Ça marche pas avec l'arc, mais ça marche avec la bombe. Bah oui. Non, mais rien de plus normal. Hein. Donc là, je monte tout en haut, là, si j'ai bien compris. Ah ouais, le gars soulève des troncs. C'est même plus des troncs, là, c'est des... Enfin si, c'est des troncs, quoi. J'ai inversé, en fait, j'allais dire des bûches. C'est même plus des bûches, le truc. C'est des troncs. Et du coup, ma vanne ne fonctionne plus, là, maintenant que j'ai fait la faute. Donc, une énigme du père Foufou Raras. Wouah, il est fort. Wouah, one shot, mon gars. Là, là vous m'entendez moins, c'est parce que je suis complètement abasourdi. Hein. Par la quête du miel. Franchement, bien longtemps qu'on m'avait pas fait des vannes comme ça, quoi. Il a du miel, mon gars, putain! Oh là là! Putain, le mec, quand même, il était se réfugier sur une île avec du miel, quoi. Vraiment des gens chelous. Ah, par contre, je sais pas du tout si c'est ça qu'il fallait faire. Mais dans le cas où c'est ça, je suis un génie. Donc, ça m'étonnerait fort, hein. Ah, attends. Oh, donne-moi du miel, connard. Tu vas pas venir, tu peux pas sauter là. Arrêtez. Je sais que tu peux sauter, garçon. Ah là, par contre, je vois vraiment pas comment on fait. Hein. Bon, attends. Je vais guetter un petit peu là-bas là. Mais j'oublie pas mon miel. Ah bah déjà. Ah bah déjà c'est cool, on peut rentrer par là. Directement accès au miel. Ah mais en plus ça m'a même pas... Ah mais c'est chaud là. Vraiment j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Hein. Moi de ce que j'ai compris... Faut arriver à sa hauteur, mais il n'y a rien pour arriver à sa hauteur. Quand même replacer les blocs. À la limite, moi j'avais pensé à faire ça. Ah! Attendez, j'ai peut-être la solution du coup. Ça va être tendu du string. Voilà, ça mord. Il aurait fallu... Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Le gars est intelligent. Ah, moi, je vous le dis. Le gars est intelligent. Enfin... On verra ça dans un instant, mais bon. Ah non, le gars est con, même. Ah non, le gars est con, ouais. Mais fous-moi la paix, là. Je suis en train de résoudre une énigme. Ouais, en fait, non. Ah, j'avais trouvé, mais là, ça va pas le faire. J'avais trouvé, là, c'était bon.
falloir que je la réinitialise. Mais là, c'est bon, regardez. Tout pété, hein, on utilise notre cerveau et... ça coule de source, hein. Donc, c'est très simple. De deux choses l'une. Tac, tac. Ensuite, tu prends ça. Tu prends une tranche de Saint-Albré. Tu t'en coupes un bout, ni trop fin, ni trop épais. Tac. Tac. Tu reviens ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas ici. Tac, tu le mets au bout. Tu fais ça, tu le mets là. Et là. Tu reviens ici. Tu vas au bout, là, tac. Tu reposes. Et hop. Et là. Salam alaikum! Marie de Faye. Merci, je retournais à mon bateau en passant par cette grotte, mais j'ai trébuché. Et me suis retrouvé pris au piège. Ah bon? On peut trébucher et arriver ici. Foutrais pas un peu de ma gueule, toi. Tu dis être à la recherche de l'emblème de l'océan? J'ignore de quoi il s'agit. Mais je sens en revanche que les mystérieux branchiens aiment le miel. Tiens, prends ce pot de miel, en gage de ma gratitude. Si jamais... D'accord, ok. Ah, je peux... Quoi? Je suis obligé de me trimballer avec? Arrête, mon gars. Oh là là. Oh là là. Eh, j'ai du miel, là. Fous-moi la paix. Il a dit... Ouais, en gros, si je le perds, il y en a à la boutique de Ticarel, hein. Ouh, ça devient Tandax, là. Ça devient Tandax. En plus, c'est pas du tout par là, mon gars. Le gars fait n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Je peux rentrer avec dans mon bateau? Parce que là, j'ai l'impression... miel, je vais couler avec, quoi. Bon, avant de couper la vidéo, on va quand même retourner à la fosse. On va voir si ça me déverrouille le temple de l'eau. Et après, on peut couper. Non, parce que là, c'est trop, là. Ah, je fais des vidéos, mon gars, à dure 10 minutes. Je veux bien faire des vidéos de 10 minutes. Parce que d'un côté, les gens, comme ça, ça leur occupe pas trop leur temps, tu vois, mais... On va quand même vérifier. Dans un instant. Bim 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 bim. Putain, mais vraiment sur la carte j'ai l'impression que le machin était grave loin. Mais là, je suis déjà arrivé, quoi. Limite je me suis dit j'avais même pas besoin de parler pour occuper le blanc, quoi. Fosse branchiale. Alors je vais quand même renseigner après cette vidéo, hein, sur Google. Je vais regarder comment on prononce branchiale ou branchiale. Transporte un objet vers une autre île. Oui, bah c'est pas ce qui me fait le plus. Oh là, eh, j'ai cru, hein. Oh là, j'ai. Oh là 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 là. Vite de me retoucher par contre, ça va pas le faire ça. Ah, j'ai cru que le gars, en me touchant, il était capable de me faire tomber mon pot de miel. Alors là, j'imagine pas le... Enfin, n'imaginez même pas ma réaction, parce que là, je me serais fracassé la manette sur le crâne. Ça aurait voulu dire que j'aurais dû retourner à Ticarel, etc., pour m'acheter un autre pot de miel, le retransporter... Tu vas te calmer, mon gars, hein. Parce que là, tu prends la confiance, mais tout à l'heure, tu faisais pas le malin, hein. Oh les balles, oh les balles, oh lolo. C'est serré, hein. Loulou. Eh, s'il y en a un autre, je suis cuit. J'ai envie de le poser. Voir s'il n'y a pas un petit cœur. Attends. Ah! Casse-toi! Ah, de toute façon, on est arrivé. Ah! Mais casse-toi! Ouais. J'ai grave chaud. Daniel! S'il me dit qu'il en veut, par contre, là, ça va... Je me vénère. Tiens! Ton miel à la... con. Voilà. Merci, tu m'as apporté du miel. Enfin, tu m'as apporté le miel. Tu n'aurais pas dû... Bah,
C'est toi qui me l'as demandé, hein. Maintenant, tu peux passer. Même s'il n'y a pas grand-chose à voir. C'est interdit de nager dans notre royaume à cause d'Oceanhorn. Envoie la clé, tu en auras besoin. Voilà. J'ai maintenant accès au temple des auras. Alors attendez, avant de couper la vidéo, il a dit c'est interdit de nager. Mais dans ce cas-là, je marche comment, moi? Comment ça va? Nous nous cachons dans les grottes à cause d'Oceanhorn. J'aimerais tant pouvoir nager en pleine mer. Ah, et ça, c'est quoi, ça? Oh, il y a un réceptacle de cœur. En fait, c'est un village, hein. J'ai l'impression que je me suis fait entuber, hein. Nous n'avons pas eu de visiteurs ici depuis des siècles. Tu as l'air bizarre. C'est vous qui êtes bizarre, vous aimez le miel. Puis quand des poissons, ils aiment le miel? Jamais vu ça, moi. Et après, c'est moi qui suis bizarre, hein. Mourine, Mundir plutôt, non? Où se trouve l'emblème de l'océan? Il est dans notre palais royal. Va le chercher, tranquillou. Ah bah attendez, hein, si c'est pas difficile, moi je veux bien. Hein. J'ai toujours apprécié les Haru. Thorn, le brave. Oui, nous l'avons aidé. La fine fleur de nos forgerons ont dû plonger dans les abysses les plus sombres de l'océan pour fabriquer l'arme la plus puissante jamais créée. Non, ça. Le sabre corallien qui vient. Tu me fais chier, là. Bon, j'ai quand même l'impression que ça va être un peu long, hein. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est qu'on coupe ici et qu'on se reprenne juste après, hein, parce que là, on a fait la quête du miel. Là, on va faire la quête du... comment ça s'appelle? De l'emblème de l'océan. Voilà. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de ce petit temple de l'eau. Si c'est bien entendu un temple. On le découvrira ensemble. Ciao, ciao !